Kayoto. Winnie. Eh? Ah. Eh? Maman. Mm. Maman. Mm. Manuku. Mm. Ogene, qu'est-ce qui se passe? Mes filles, ça y est, les bienvenus. Hein? Ah. Nanko, bienvenue. Maman, pourquoi êtes-vous dans cet état? Nous sommes malades depuis quelque temps. Mais ce n'est pas si sérieux. Comment peux-tu dire que ce n'est pas sérieux? Vous vous êtes même regardé dans une glace. Je suis désolé, mais vous ressemblez à des fantômes. Non, je... Toi aussi. Hé, hey, maman. Attention, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Maman, tiens, c'est pas du tout amusant. Ok, on t'amène à l'hôpital. Oui, oui, s'il te plaît. Nous allons bien. Depuis quand la tortue ne connaît pas le poids de sa carapace? Nous allons bien. Maman, je pense que vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que vous ne vous voyez pas. Ne t'inquiète pas. Ne dépense pas ton argent à l'hôpital. C'est pas vrai ça. Comment tu peux dire que vous amener à l'hôpital, c'est perdre de l'argent? Mon fils. Tu... Il n'y a pas de problème. Avez-vous apporté le bœuf? Maman, on vient de Lagos. On est ici pour voir si vous allez bien de ce côté. Maintenant, vous nous avez vus. Nous allons bien. Allez juste apporter les bœufs et attachez-les derrière la maison. Allons à l'intérieur nous coucher en attendant que les bœufs arrivent. Ok, ok. Lève-toi. Hé, hey, attention, maman. Oh, Bidia. Viens. Vous ne voulez pas vraiment aller à l'hôpital? Gab. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à nos mères? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elles vont mourir d'un moment à l'autre, mais ce qui les intéresse, c'est les bœufs. On fait quoi, alors? Bien, allons juste leur acheter les bœufs, non? Hein? Si c'est ce qui les rendra heureuses. Allons-y, allons d'abord acheter les bœufs. Nous les amènerons à l'hôpital plus tard. Allons. Les bœufs que nous avons eus sont les plus gros que nous avons pu trouver dans le marché. J'espère que ça va. Vos mamans vont bien, mes fils. Merci. Ça voudrait dire que vous viendrez avec nous à l'hôpital? Oui. Pourquoi? Maman, pour des soins. Et qui est malade? Obidia. Laisse mon fils tranquille. Ovekania. Maman. Mes fils. Nous allons bien. Oh, vous devez retourner à Lagos. Je sais que je ne peux pas vous mentir, non? Maman, pas encore. Ah, parfois, la vérité sonne comme un mensonge. Croyez-moi. Oh,
rentrer à Lagos. Nous allons bien. Non, 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 non. Nous sommes là juste pour quelque temps. En fait, nous voulons rebâtir cette maison et celle de Manoukou. Pour les rendre plus gaies, donc, nous voulons refaire les portes, les fenêtres et la toiture toute cette peinture. Vous n'avez pas besoin de vous gêner. Nous allons prendre soin de tout ça. Oh, rentrez juste à Lagos. Maman, vous êtes pressée de vous débarrasser de nous. On vient juste d'arriver. Même le vent a des oreilles. Nous communiquons le sang ouvrir nos bouches. Ce village n'est plus du tout ce coucou. D'accord. Retournez à Lagos. Merci pour les deux. D'accord. Merci beaucoup. Je les ai entendus, allons-y. Qu'on parte. Oui. J'espère que l'argent qu'on vous a remis, c'est OK. C'est suffisant. Oui, très suffisant. Merci. Merci beaucoup. Voyagez bien. Prenez soin de vous. Kaito. OK, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour nous et pour nos mamans. Et nous nous souviendrons toujours des difficultés traversées pour venir dans ce village. Mais nous remercions Dieu pour tout. Nous savons aussi que ce n'était pas ta responsabilité de nous soutenir, mais tu as fait de ton mieux pour nous venir en aide. Et pour ça, mon frère et moi avons décidé de faire un petit geste. Paul, 200 000 naira. Tu peux gérer ça. Nous savons que c'est pas grande chose, mais ça peut aider. Yeah. Mon ami. Elle va bien. Hey. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes mes enfants. Et je suis fière de toi et de ton frère. Merci, merci. Dieu merci que toutes mes prières pour vous ont été exaucées. Mon Dieu n'est pas un Dieu endormi. S'il vous plaît, rassurez-vous de prendre soin de vos mamans pour qu'elles ne m'en disent pas. Oui, et... Azuka. Voilà pour toi, 20 000 naira. Yeah! Merci beaucoup. Gars, merci beaucoup. Je me demandais que si je venais vous rejoindre là-bas à Lagos. Réfléchis, non? Je suis un gars comme vous. pas de problème, pas de problème. Nous devons partir maintenant. D'accord. Merci énormément. Bon voyage, D'accord. Bon voyage. Okay. Au revoir. OK. Où vas-tu? Oh, regardez. J'ai dit, où vas-tu? Je viens d'accompagner la voiture, non? Tu as accompagné qui dans la voiture? Azuka! Maintenant, je sais que tu es un fou. Un gros fou. Oui, un cinglé. Un feignant sans cerveau. Grand soeur. Es-tu sûr que nous sommes parentés? Parce que c'est très évident que tu réfléchis avec ton ami. Après t'avoir battu comme un animal, il te fait cadeau d'argent. Et tu as pris. Et tu es très content de prendre. Hey, Azuka. Azuka. Grand soeur. Écoute, Gabriel et Paul ont été envoyés par leur mère pour se moquer de moi. Et tu es occupé à danser à leur rythme comme un bouc castré. Yeah. Hey! Oh, Azuka. Hey!
Tu es si instable. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu es un animal, un vrai animal. Adam Mazi a souffert. Hey, ça c'est quel genre de souffrance, oh. Mais ils vont pleurer. Même leur dieu sait qu'ils vont pleurer. Azuka. Grande soeur, ton argent, je fais... Allez, donne-moi ce sac. Tu n'es qu'un feignant. Mais... Moi, j'irai bientôt les régions dans les Gosso. Hey, gars. De la nuit. Nous te supplions. Dirigeant des quatre coins de la terre, nous te devons obéissance. Puissant oiseau, dont les cris résonnent dans la tombe des non-initiés, nous te sommes reconnaissants. Vent de l'Est, éclair du Nord, tonnerre du Sud, tempête de l'Ouest, des vivants et des morts, Nous te présentons nos offrandes. Accepte-les. Que nos enfants aient une longue vie. Qu'ils ne mènent pas une vie insatisfaite. Que nos vies soient aussi agréables que le miel. Ce que déclarent nos bouches, nos cœurs le désirent. Et deviennent des lois pour les esprits. Eya. Que le gong de la vie résonne pour les initiés. Oui. Ah. Pierre. Non. Regarde, tu dois acheter cette quantité. Mais bien sûr. J'ai besoin de ces produits. J'en ai vraiment besoin. Oui.
Je ne voudrais pas que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise. Oh. Ok. Ok, je te crois. Je te crois. D'accord. Et Paul, comment vas-tu? Ah, ça va, ça va. Et? Je vais bien, je suis ok. On ne dirait pas. Nos mères ont-elles un problème? Tout va bien? Elles vont pas bien. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de maladie qui n'acceptait pas de médicaments. Aïe! Oh! Alléluia! Finalement, elles sont parties à l'hôpital. Comment as-tu fait ça? Quel hôpital? Faire quoi? Elles ont refusé catégoriquement. Attends, 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 attends. Donc tu as gaspillé ton argent pour leur acheter des médicaments? Les as-tu vu les prendre? Non. Elles ont dit qu'elles les prendront plus tard. Et tu les as cru? Écoute, 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 écoute. Je suis fatigué de tout ceci. Paul, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Comment deux vieilles femmes peuvent-elles continuer à se comporter comme deux petits-enfants? Non, dis-moi! Sais-tu combien de fois j'ai acheté des médicaments pour elles? Pour que ces médicaments soient jetés dans la forêt la plus proche? C'est vraiment très déconcertant. Qu'allons-nous faire maintenant? Comme quoi? Abandonner nos affaires ici et aller vivre avec elles. Que Dieu m'en préserve. Je refuse de revivre une fois ce type de vie, oh. Parce qu'il paraît qu'elles se sentent à l'aise dans ce mode de vie. Es-tu en train de dire qu'on doit les abandonner? Ce n'est pas ce que je veux dire. Écoute, Paul. Est-ce que je n'aime pas ma mère autant que la tienne? C'est que chaque fin de jour, j'envoie la somme de 100 000 naira à ma mère. Et je sais que tu en fais autant. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Quand j'étais au village, il y a de cela 4 mois. Non. 5 mois, 2 jours. Elles ont compté. Elles me l'ont dit. 5 mois, 2 jours, c'est ça? Ok. Sais-tu que j'ai retrouvé tout l'argent que j'envoyais depuis à ma mère, entassé sous son lit? Elle a refusé de dépenser le moindre sou. Refusé d'aller se faire traiter à l'hôpital. Ta propre mère a abandonné votre maison pour venir rester avec ma mère. Elles ne font qu'éviter les gens. La seule chose qu'elles demandent, c'est leur bœuf. C'est l'une des choses qui me trouble. Hein? Qu'est-ce qu'elles ont avec ces vaches? Je ne sais pas. Tu vois, c'est la même chose qu'elles m'ont demandé lorsque je suis allé les rendre visite. Que font-elles de ces vaches? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que je ne leur donnerai plus jamais rien. Je ne leur donnerai plus de bœuf jusqu'à ce qu'elles aient reçu un traitement. Ah, c'est de trop, là. Oh. Oh, Liak. Élégant face. Que s'est-il passé? Depuis que tu es rentré, tu ne m'as même pas demandé. Qui a dit ça? Demande-lui. Je suis rentré hier. Je ne suis même pas encore rentré voir mon père. Je suis venu directement ici pour vous voir. Wanomadou. Gayote. De Londres pour ta maison. Oui. Mais je vais te dire, si son père t'attrape. Si son père t'attrape. Ah, il ne fera rien. Il ne fera rien du tout. Maintenant, il me prendra comme son beau-fils. Oui. Ma chérie, assieds-toi. Tu dois d'abord me le demander. Et j'espère que je te donnerai la bonne réponse. Ah, je connais la réponse, non? Je sais ce que tu me donneras comme réponse. Sinon, Paul, comment vont vos mères? Ouais. Elles vont bien. Ouais. Mon Dieu, comme j'ai hâte de les voir. Ouais, bien. Mais je vous assure, vous formez un bon couple. Bidia. Bidia, tu souris? Oui, je souris. Papa a dit qu'on ne devait pas pleurer. Souris. Bidia. Bidia, je suis fatiguée.
Je me un peu. Mes jambes commencent soudainement à me faire mal. Allons nous asseoir là-bas. Je souris, mais je ne peux pas pleurer. Lucia, tu arrives. Et je viens. Lucia. Assieds-toi doucement. Ne pleure pas. Hein? Baba dit qu'on ne devait pas pleurer. D'où vient-elle? Comment pourrais-je savoir? Hey, pauvre femme. J'ai entendu qu'elles ont des riches enfants à Lagos. Et leur maman vivent dans une aussi profonde misère. Ça, c'est la méchanceté, non? Tu me le dis. J'ai entendu que leurs enfants utilisaient le sang de leur mère pour l'argent rituel. Voilà pourquoi elles sont sèches comme des crevettes. Plus elles sont sèches, plus elles se font de l'argent. Hey, oh, manoukou. Où as-tu compris l'autre là? Tu as recommencé à mentir. Donc maintenant tu me traites de menteuse, hein? As-tu déjà été où ces femmes vivent? Lorsqu'elles parlent, ils les frappent. Les enfants sont devenus un véritable problème dans la maison. Tchai, mais ils pouvaient au moins arranger le toit ou alors peindre s'ils ne veulent pas construire une autre maison à leur maman. Peindre quelle maison? Tu veux qu'elles disparaissent? Hein? Hey. Ces femmes vont mourir dans la pauvreté. As-tu vu les maisons qui se construisent chacun? C'est comme le paradis, avec des cadeaux partout. J'ai appris, mais j'ai aussi appris que leurs fils les évitaient parce qu'ils se sont rendus compte que leur maman était des sorciers et qu'elle voulait les sacrifier en les donnant dans le royaume de sorcellerie. Hey, dis-moi quelque chose. Regarde-toi. Hey, Zougou, c'est pourquoi ils sont comme ça, comme des crevettes? Tu n'as encore rien compris. C'est vraiment vrai, oh. Ne sais-tu pas que quand les sorciers ont échoué de fournir ce qui leur a été demandé, le sang se boue à l'intérieur et sèche graduellement jusqu'à ce qu'ils éventuellement confessent et même peut-être, c'est misérable. Le mal. Voilà pourquoi le mal revient toujours. Que ta langue retourne dans tes intestins. Oh, Manoukou, c'est ta mère qui est sorcière. Oh, Manoukou, tu as piétiné le scorpion et il te mordra. Hey, toi, professeur de sorcellerie. Hey, je connais ta maison. Quand l'heure sonnera, je viendrai te chercher pour que nous allions à la réunion des sorciers. Alors là, je vais sucer ton sang. Oui, sorcière. Hey, hey, Obédia. Elle dit quelque chose. C'est Kemdi qui l'a dit. Kemdida, n'est-ce pas toi qui me disais que leur fils les a utilisés pour les rituels? Tout ceci est basé sur des rumeurs. Je ne crois pas de toutes les façons. De toutes les façons. Vous êtes privés de paix, alors vous n'aurez jamais de paix. Vous avez tué la paix dans vos vies. Obidia, allons-nous-en. Si tu agis comme un faux, la folie ne te quittera jamais. Laisse-les. Elles sont sorcières. Vos maris sont des sorciers. Vous tous, vous êtes des sorciers. Ça va. Viens, laisse-les. Tu ne veux pas peindre ton pain. Tu veux... Oh, Manoukou, regarde les problèmes dans lesquels tu essaies de me mettre. Je suis désolée, ma soeur, j'ai eu peur. Quel genre de stupide père c'est? N'es-tu pas celle qui a dit qu'elles étaient sorcières? Hein? N'est-ce pas assez pour avoir peur? As-tu vu leurs yeux? Ça crache le feu. Il nous aidera.
à dire à la déesse d'être patiente jusqu'à ce qu'on ait le bœuf. Merci, papa. Merci, papa. Pizza. Hein? Quoi, quoi, mon sang? Mon sang. Pizza. Allez, t'as mangé, mon sang. Achaluko, essaie de manger quelque chose. Biza. Mais où est partie la nourriture? As-tu vidé celle qui était dans la marmite? Hein? Biza, je ne peux plus supporter sa souffrance. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu pleurer? Hein? As-tu oublié ce que Baba nous a dit? Ne gâte rien. Ne gâte rien. Bida, je n'ai jamais oublié. Mais je suis une nouvelle personne. Parfois, tu ne peux pas imaginer ce que je pense. Nous avons fait le bon choix. Nos enfants ne sont-ils pas confortables et heureux? N'est-ce pas pour eux que nous avons fait tous ces sacrifices? Bien sûr. Mais Obida, j'ai peur. De quoi as-tu peur? Quand ça va-t-il? Quand ça va-t-il s'il n'apporte pas les bœufs? Qu'allons-nous faire? Hein? Et le moitié déjà à sa faim? Hein? Pourquoi n'apporteront-ils pas les bœufs? Demandons-nous l'impossible. Est-ce que nous les demandons de l'argent? Oui, bien. Nous ne le faisons pas. Oh. Mais, je n'ai pas aimé la façon dont Paul a réagi la dernière fois. Il est venu nous voir. Pas nous. Et en plus de cela, quelle était la dernière fois que tu as vu Gabriel ici? Hein? Ce n'était pas en ta présence que Paul nous a dit qu'il ne pouvait pas tous les deux laisser l'usine seule. C'est pourquoi Gabriel l'a envoyé. Oh, Bidia. Gabriel est mon fils. Je suis sa maman et je connais ses pensées. Tu sais, il a une très grande influence sur son frère. Oh. Je pensais justement à ça de mon côté. Mais
Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je suis allée à ICOM et je les ai appelés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont déjà envoyé quelqu'un avec un message pour nous. Message? Obidia. Nous leur avons parlé de bœuf. Et ils nous parlent de message. Nous ne leur as-tu pas expliqué? Je l'ai fait au... Je les leur ai rappelé. Ils ont dit qu'ils n'ont pas oublié. C'est pourquoi ils nous ont envoyé un message. Ils se rappellent également des bœufs. Voilà pourquoi ils ont envoyé une personne. Mais, papa dit qu'ils doivent eux-mêmes apporter les bœufs, non? Et ils ont dit que le messager nous expliquera tout. Et ils ont dit qu'ils viendront nous voir vendredi de la semaine prochaine. La semaine prochaine? Obidia, la semaine prochaine. Ça va être la dernière semaine du mois, non? Hein? Hey! Attendons d'abord le messager. Hey. Ils ont dit qu'on ne devait pas s'inquiéter. Si tu le dis, Obidia. Tu le dis. Achaloko. Hein? Essaye de manger quelque chose. Obidia. Hey, je veux pas. Hey. Pourquoi? Hey, mais... Je veux pas. Obidia, je ne vois aucun peu. Bonjour, ma. Seigneur. Ah. Il n'y a aucun peu. Obidia. Obidia. Bidia, laisse le pauvre homme tranquille. Merci. Chère mère, puisque vous avez refusé de nous écouter, nous avons également décidé de ne plus vous écouter à propos de cette histoire de peu dans laquelle vous nous avez embarqués. Nous ne vous priverons pas de votre argent du mois, même comme nous savons que vous ne l'utilisez pas. Nous vous achèterons autant de bœufs que vous voudrez, aussitôt que vous accepteriez de voir un docteur pour suivre un bon traitement.
Toute chose qui n'est pas citée ici est inacceptable par nous. Nous vous aimons et nous voulons le meilleur pour vous. Vos fils bien-aimés, Gabriel et Paul. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Tu souris? Pourquoi souris-tu? Vidya. Baba a demandé de ne pas pleurer. Ce n'est pas d'autre choix que de sourire. Je souris parce que la mort nous a dit et il n'y a rien que nous puissions faire. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Reviens ici. Gabriel! C'est quoi? Gabriel! C'est quoi, maman? C'est quoi, maman? Hein? Je pensais que tu voulais qu'on parle. Parler de quoi? Hein, Gabriel? Les arbres que nous avons plantés sont en train de tomber sur la toiture pour que je meure. Gabriel. Puisque ce que nous sommes venus faire au village ne marche pas, il est mieux que nous retournions à nos occupations en ville, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Non, c'est ce que je disais. Tu es devenu un homme de la ville. Tu peux rentrer dans ta ville. Mais donne-moi ce que je veux. Donne-moi ce que je veux. Si tu veux, reste là-bas autant de moi que tu veux. Tu m'en fous. Non, maman, ne parle pas comme ça. Ça ne marche pas en médecine, s'il te plaît. Que veux-tu que je dise? Hein, Paul? Quand toi et ton patron de frère avaient décidé de ne pas nous accorder de l'importance. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Nous exagérons maintenant parce que nous vous demandons ce que nous avons besoin. Maman, je n'ai jamais dit ça. Tout ce que nous disons, c'est que vous devez aller à l'hôpital. Nous n'aimons pas vous voir comme ça. C'est tout ce que nous disons. Et vous aviez répondu à nos lettres disant que vous irez à l'hôpital si seulement on revenait à la maison. Oh, c'est pourquoi vous êtes là. Je t'ai dit que ça a marché. Oui, bien sûr que cela a marché. Comme je le disais tantôt, jusqu'à ce que vous vous rendiez à l'hôpital, je ne lèverai plus le petit doigt pour vos bœufs. En fait, oubliez que vous avez le choix. Car pas d'hôpital, pas de bœufs. Et le débat est clos. Wow. À qu'est-ce que tu parles comme ça? Ok. À qu'est-ce que tu parles comme ça? Ok. Si tu ne me donnes pas ces bœufs, je vais mourir entre tes mains. Ah, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Maman, j'attends mieux de toi. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Comment vous voulez nous punir comme ça? Entendez-vous ce que les gens disent au village? Hein? Ils disent que nous vous avons utilisé pour les rituels et que nous vous avons abandonné dans cette piètre maison. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Allez nous donner les bœufs. Les gens continueront toujours à parler. Hein? Achète le bœuf. Des bœufs au lieu des vaches, mais c'est plus vraiment, quoi faire à la fin? C'est quoi cette soudaine obsession des vaches? Hein? On parle de quelque chose d'important, là, vous nous demandez à vous acheter des vaches. Qu'est-ce qui est prioritaire? Réponds-moi, qu'est-ce qui est prioritaire? Croire à un homme fou et au mensonge sur sa tête? Hein? Qui est folle? Je suis folle. Hey! Je suis folle, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je veux et ce que je ne veux pas. Quoi? Hey! Parce que je refuse de parler. Que ma bouche a été scellée par Egou, l'oiseau de la mort. C'est ça? Si vous n'apportez pas ce peu comme vous l'aviez promis. Hein? Oh! Ah! Vous pensez que vous avez grandi maintenant, hein? Vous pouvez nous tromper par rapport à ce que nous voulons. Manoukou, il faut arrêter de dire. Ne me maman pas! Oh! Vous pensez que nous sommes devenus des torchons que vous pouvez gronder comme vous voulez. Maman, personne n'écrit. Personne n'écrit, c'est maman. Qui est ta mère? Tu m'appelles encore ta mère, hein? Passe comme ça. Recule comme ça. Puisque
que tous deux aviez refusé de ne pas honorer à votre promesse, nous avons décidé de vous régner. Oui. Nous ne sommes plus vos mères. Nous régner? Oui. Oui. Pour votre propre bien. Jusqu'à vous revenir à la raison. Vous voulez nous régner? Bidza. Allons-nous-en. À partir de maintenant, plus d'enfants. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est d'accord. Nous acceptons vos conditions. Nous allons faire comme ça. Va juste apporter les bœufs. Les bons enfants. Non. Nous avons choisi d'être reniers plutôt que de se faire appeler ritualistes. Ouais. Ne pleure pas, Obedia. Ne pleure pas. C'est ce que tu as dit. Gabriel, c'est ce que tu as dit à ta maman. Eh oui. Bon, Paul. Maman, je suis de son côté. Ah. Je suis avec lui. Pas de vache jusqu'à ce que vous ayez vu un docteur. Ah. Et je veux savoir pourquoi toutes ces vaches. Qu'est-ce que pourquoi, c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que c'est? C'est ça que je veux savoir. Nous allons en Iwi. Nous y serons pour 3 jours. Et dès que tous les deux seraient prêtes, là, vous pourriez nous appeler. Nous appeler. Allons-y. Paul. Vous devez nous dire ce que vous faites avec. Non, c'est bon. Allons-y. Partons. C'est tout ce que tu m'as dit. Obedia, Obedia, c'est à cause de la faim que ces enfants nous ont. Maintenant que l'argent les a rendus sourds. Obedia, qu'est-ce qu'on va faire? Oh Godima. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh Godima. Nada, nous avons attaché le bœuf derrière la maison. Merci. Eti, n'est-ce pas? Oui, maman. Prends. Merci, maman. De rien. Ezike. Oui, ma. 80, n'est-ce pas? Oui, ma. Prends. Ezika. Ma. Ngwa, prends ceci pour tes biscuits. Ada, c'est combien ça? 20 000 naira. Ce n'est pas beaucoup. Tu veux que je te donne plus? C'est plus qu'assez. Merci, ma. Bye maman. Bye. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci. Maman. Merci, maman. Merci. Tu sais quoi? Dès que tu as besoin d'un bœuf, fais appel à nous. Ok. Que ce soit le gros, le petit. Même lorsque la jambe, elle s'est attendue comme ça. Zik, tu parles comme ton père. Hey. Merci. Merci, ma. Tchao, le coup, de tchao. Merci, maman. Ma. Merci encore, maman. Affaire classée. Nous avons les bœufs maintenant. Toi et qui? Toi et moi, non? Attends, Obidia. Cette maladie a-t-elle affecté ton fèvre? Quel argent as-tu utilisé? Notre argent. Ce qui nous est rendu laides comme des vieilles femmes. Ce qui nous donne la source tout le temps. Ce qui fait que les gens nous appellent sorcières et nos fils ritualistes. Ça, c'est de l'argent que j'ai dépensé. Loïc Pama, le même argent que tu as utilisé, as-tu oublié ce que Baba a dit?
aucune dépense. Hein? Il a dit après le premier argent qu'il nous donnera, on ne devrait plus utiliser autre chose. Et tu es là à acheter les bœufs. Laisse, Baba. Hein? Acheter un simple petit marteau, est-il devenu illégal? Hein? Regarde autour de nous. Qu'est-ce qui est légal pour parler d'illégal? Juste parce que j'ai acheté les bœufs. Tu te plains comme si j'ai acheté tout le marché. Obisa, ne m'énerve pas. Obisa, n'essaie même pas de m'énerver. Après m'avoir introduit dans ça, maintenant tu es incapable de garder cette loi. Hein? Comme une tortue qui se bat avec sa carapace. Il ira acheter un manteau. Le même argent que nous ne devons pas dépenser. Et j'essaie de te reprendre et tu veux me raisonner. Dieu merci, je n'ai aucun sens de pouvoir, moi. Toi, tout ce qui adviendra de ceci, tu l'assumeras. Tu mourras seul au Christian. Achaluko. Attends. Tu es maintenant fâché contre moi. Je suis désolée. Pardon. S'il te plaît, pardon. Hein? Que d'autres allons faire? Demain, c'est la fin du mois. J'avais juste peur. Et c'était le seul moyen. Je suis désolée. S'il te plaît. J'avais juste peur. Ne pleure pas. Je ne suis pas passée. Oublie tout ce que je t'ai dit. Hein? Ça va. Hein? Viens faire le programme. Papa a dit que nous ne pouvons pas acheter les bœufs de nous-mêmes. Pas ça. Nous allons faire avec. D'après tout, nous sommes dans un bateau qui coule. Soit le bateau qui l'avait nous. Nous plongeons dans l'eau. Pour sauver nos vies. Pas ça. Pas de problème. Affaire classée. Merci. Laisse-moi. Mère de la nuit, nous te supplions. Dirige-nous dans les quatre coins de la terre. Va-t-il apparaître maintenant? Comment pourrais-je le savoir? Peut-être nous étions trop là. Continuons très vite. Mère de la nuit, nous te supplions. Hé, bébé, s'il te plaît, bébé, écoute-moi. Tu ne comprends pas. Comprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Que soudainement je suis allée voir ta mère? Gabriel, y a-t-il quelque chose qui se passe que je ne connais pas? Rien ne se passe. Écoute, je te promets, tu peux aller rendre visite à ma mère à tout moment. À tout moment? Oui. Quand ce sera? Demain? Quand? Au moment opportun. Et quel sera le moment opportun? S'il te plaît, laisse ça, c'est rien. Oh, rien. Wow. C'est ta mère qui est devenue rien maintenant, n'est-ce pas? Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, explique-moi, parce que je ne comprends pas. Oh, chérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Pouvons-nous parler de ça une autre fois? Oui, bien sûr. Hé, bébé, s'il te plaît. Hé, je vais bien. Je t'aime, Gabriel, vraiment beaucoup. Mais je déteste que tu me caches des choses. Parle-moi quand tu seras prêt.
Bidia, Bidia, dont nous sentons. Je ne connais pas de ton côté si tu sens haut, mais ce qui sent sur ma tête peut tuer un nouveau-né. Les gens nous regardent. C'est comme si nous sentons. C'est vrai. Ça veut dire que nous sentons vraiment mauvais. Obidia, tu peux me humer. Peux-tu humer l'odeur de ma tête? Obidia, ça sent. Ça veut dire que nous sentons. La manière dont les mouches nous poursuivent, ça montre que nous sentons très mauvais. Obidia, voilà le tapioca. Elle a toutes ces choses sur la table. On peut acheter voilà sa place. Et on part, comme nous sentons si mauvais. Nous ne sommes pas les enfants. Eva, non, on n'a pas ça. Nous voulons acheter ce que nous voyons et tu dis qu'il n'y a personne. Quel que soit ce que vous voulez, nous n'en avons pas. Ça veut dire quoi? Hein? S'il te plaît, viens nous vendre le tapioca. C'est quel genre de bêtise c'est ça? Vas-tu m'en faire cadeau? Ne vais-je pas te donner de l'argent? Ok, du tapioca, quelqu'un a déjà tout acheté. Acheté pour l'espoir? Oui, en fait, tout ce qu'il y a ici, on a déjà tout acheté. Pia! Et pourquoi tu craches la tombe de ta mère? Hé, hey, regardez-moi, Obila, je n'ai pas craché sur toi, s'il te plaît, quitte ma boutique. Quitte ma boutique. Ferme ta bouche. Allez-vous-en, allez-vous-en. Obidia, Obidia, allons-y. On ne part pas. Obidia, laisse, ne touche pas, laisse, quittez, laisse. Quittez ma boutique, s'il vous plaît. Quittez, quittez, quittez. Allons-y, allons, allons-y. Partons. Laisse-moi m'en souhaiter, je vais voir ce qu'elle va me faire. Laissons-la, allons. C'est la tombe de ta mère qui sent. Quittez. Obidia, ne dis non, rien. Non, je ne pars plus. Laisse-moi rester ici. Obidia, allons. Allons-y. Eh où? Pâté. C'est ta mère qui est stupide. Regarde-moi celle-ci. Fille de même pas d'argent pour s'arranger. Obidia, reste tranquille. Allons-y ailleurs. On pourra en acheter. Et ici. Obidia, nous pouvons demander ici. Qui va là? Madame, n'êtes-vous pas celle qui vend? Non, la propriétaire n'est pas là. Maman, que veut-elle acheter? Ma fille, nous voulons acheter les condiments pour la soupe. J'ai dit le propriétaire n'est pas là. Est-ce que j'ai de l'eau à la bouche? Maman, quel propriétaire? Quelque chose sent. Elle dit qu'on sent. Ça sent comme un rat mort.
ou quelque chose de plus gros. Maintenant, je vois que la stupidité de ton père coule dans tes veines. Veux-tu aller finir ce que tu faisais avant que je ne descende sur toi? Yeah, maman, je n'ai pas vendu ce qu'elle veut l'acheter. Donc, tu veux mourir? Non. Va dedans finir ce que tu faisais. Attends. Oh, le coup. Donc, c'est ton comptoir. Je m'adresse à toi. Donc, ce comptoir t'appartient. Alors, en quoi ça te concerne, ça? Est-ce que c'est obligé que je te vende? Mais tu crois, non? Mais tu en aussi. Idiote. Alors, tu es la propriété de ça. Et tu es assise là au sol avec tes grosses fesses et ta petite tête comme le piton. Tu es fini. Moi là, moi. Obidia, comment tu t'appelles encore? Ta sorcellerie ne m'effraie. Je suis d'Agouleri. Si tu me tentes, tu vas prendre. Alors, pose ton cadavre puant hors de ma boutique. Boutique maintenant. Moi, cadavre puant. Oui, tu l'es. Quitte ma boutique. Je vais finir avec toi. Quitte ma boutique. Abisa. Tu jettes les choses. Abisa. Je vais te donner une leçon. Abisa. Ah, ça c'est quoi? Abisa. Hein? Ah, c'est pas fini. C'est quoi? Allez, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, monsieur. Aidez-moi. 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 Obidia. Es-tu réveillée? Doucement. Doucement. Obidia. Que s'est-il passé? Tu es tombée. Je suis tombée. Je me rappelle, j'étais fatiguée. Après, oh Seigneur, oh Jésus, oh Bizia, à coucou, oh marché. Je ne suis pas sûre que c'est à coucou. Ce n'est pas l'épilepsie. C'est pas ça, c'est quoi? C'est pas ça, c'est quoi? Hein? Oh, hey, Bizia, je suis la cause de la fermeture du marché. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Achalko, ne pleure pas. Obidia, ne me dis pas ce que je dois faire maintenant. Hein? Dis-moi ce que je ne connais pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Achalko. Rajakatakwe. La vie de ta fille est devenue comme celle d'une poule déplumée. Hey! Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Achalko, ne pleure pas. Allons-y. Allons-y. Maman, attendez. Maman, attendez. Maman, voici les choses qui sont tombées de ma table. Ma maman m'a demandé de les jeter. Mais j'ai décidé de vous les apporter. J'ai également ajouté d'autres choses. Merci beaucoup, ma fille. Dieu va te bénir. De quoi. Combien c'est? Ne vous souciez pas pour l'argent. Je connais votre fils Paul. Il aidait souvent ma mère à fendre du bois. Maman, bye-bye. Ok, ma fille. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Achalugo, allons-y. Allons-y. Bidia. Hein? S'il te plaît, reposons-nous encore un peu. Ainsi, je pourrais revenir un peu de force. Je pourrais tu me sentir. J'ai encore besoin de repos. Restons. Okay. Hey. Mon mari, tu n'as rien dit.
J'en viens. J'en viens. Tu ne fais rien. Nous sommes ici, ça fait 2 heures de temps. Et tu ne dis rien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Juste rentrer là où vous avez commencé. Quel commencement? Si tu ne connais pas le travail, dis-nous, personne ne va te frapper. Hé! Hey. Yeah. Bidia, calme-toi. Attends, arrête de parler. Nan, si c'est pour de l'argent, dis-le ton prix. Nous allons payer, s'il te plaît. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Rentrez là où vous avez commencé, avant que les morts ne se rappellent devant nous. C'est de toi que la mort se rappellera. Allons-nous-en. Nous avons perdu toute une journée ici. La mort se souvient de toi. La mort est chez toi. On laisse-le chez toi. Regarde-moi ça. Regarde. Fille de la terre, je ne traite rien avec vous. Je ne traite rien avec vous. Que vais-je faire? Je veux dire, que vais-je lui dire? Quand est-ce que tu dois les rencontrer? Après-demain. Et si elle a suivi les rumeurs, que vais-je lui dire? La vérité. Que toutes ces rumeurs sont vraies. C'est facile pour toi de le dire. Moi, je ne veux pas perdre ma femme. Gabriel, tu ne vas pas la perdre. Elle t'aime. Je le souhaite vraiment beaucoup. Je me demande juste qu'elle font maintenant. Qui? Nos mères, bien sûr. Bien. Sûrement, et l'homme. C'est tout ce qu'elles font toute la journée. Dormi. Tout le temps. Buvez, fille de Chimili. Buvez dans l'enceinte de la mère déesse. Ta mère l'ossissant. J'espère qu'elle ne nous empoisonnera pas, car je ne suis pas prête à prendre plus de poison pour ajouter à ce que je souffre déjà. Tu veux te moquer de la princesse de Chimie? Ta vie est comme une pincée de poussière. Aucune conséquence à la terre. Tu ne prends pas. Princesse, s'il te plaît, ne te fâche pas contre nous. Nous allons boire. S'il te plaît. Alors, buvez et soyez libérés. Libérés de la mort et de l'affliction. Bédia, pas non. Tu bois. Bois là-bas. Buvez! Retire ici. Mon ami, prends ces choses que tu bois. Arrête de bavarder. Prends ça avant que les gens ne se demandent ce qui s'est passé pour qu'on se brûle comme ça là et on quitte ici là. Bois ça. Buvez encore. Thank you.
Dieu, Dieu, Lydia, tu crois? Aide encore. C'est quel genre de prêtresse comme ça? Elle devait prier au lieu de dormir. Obidia, calme-toi avant qu'elle ne nous laisse tomber. Pourquoi? Ne l'avions-nous pas payée? Comment peut-elle dormir? Elle nous a donné les remèdes, non? Quoi? Bien, lève-toi de là. Sirène! Gabriel, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ma fille n'a jamais cessé de parler depuis qu'elle est revenue en Angleterre. Et en tant qu'un bon père, lorsque j'ai appris les bonnes intentions que vous avez envers ma fille, j'ai voulu en savoir plus. Elle m'a dit que nous sommes tous d'un même village, mais n'a pas voulu me parler de vos stages. Mais cela est d'ultime importance pour moi. Tu vois, l'on est censé faire très attention de nos jours, étant donné que l'origine est très plus importante que toute autre chose. Je vous comprends, monsieur. Mon frère Paul et moi avons ouvert une société appelée Whiteman & Company, qui fait dans le plastique. Oh, Whiteman's Paul. Un moment. C'est la société qui a récemment mis en vente ses actions. Oui, monsieur, la seule et unique. Et c'est votre société. La société qui a été déclarée comme une entreprise à la croissance la plus rapide de ces dernières années. J'ai même demander à mes agents de change de m'acheter quelques actions auprès de la société, mais cela était dur. Bien. À ce moment même, nous avons vendu toutes nos parts, monsieur. Bien. Très bien. Bienvenue dans ma maison. Merci, monsieur. Cathy. On a une Cathy. Oui, papa. Viens. Viens nous rejoindre. Papa, je vois quelque chose. Non, ne t'en fais pas. Mais ce que tu fais, tu continueras après. Assois-toi. Gabriel. Papa. Oui? Tu ne lui as rien dit. Attendez, mais dire quoi? Attendez, vous savez, je n'aime pas des surprises. Je voulais vous dire que vous saviez que je voulais des actions et vous m'en avez acheté. Non, monsieur, mais cela peut s'arranger. Ou alors, je voulais vous dire. Vous voulez dire que vous ne nous reconnaissez pas? Devrais-je? Je pense que vous devriez, puisque vous êtes celui qui nous avait enfermé. Enfermé? Quand? Comment ferais-je une chose pareille? Attendez. Gabriel? Oui, monsieur. Paul? Oui, monsieur. Gabriel et Paul? Oui, monsieur. Oh, fils de Dieu! Comment? Papa, le livre n'est pas sa couverture. Attendez. Gabriel et Paul. Thank you.
Ah, ma soeur. Ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas, non? Président, vous ne partez pas. Hein? Puisque tu as décidé de porter un cadavre dans ta voiture, tu ne l'as pas. Espèce de morgue. Madame, c'est quoi, non? Hein? Depuis tout le monde refait la voiture, hein? Madame, sortez de mon bus. Tu as dit que tu voulais vérifier nos sacs. Tu as vérifié et tu n'as rien dit. Pourquoi tu nous demandes de descendre, non? Je dis que je ne voyage plus, c'est français. C'est quoi avec vous, non? Pardon, descendez de mon bus. Mon fils, hein? Ne t'inquiète pas. Amène-nous à Evelyne. On paye toutes les places. Vous dites quoi? Vous et qui? Toutes les places. Vous allez où? À Bini, non? Hein? Comme ça, avant d'arriver à Bini, je vais avoir mal au ventre et votre argent ne va pas. Madame, je ne voyage plus. Vous pouvez descendre, vous prenez l'autre bus. Quel autre cas? Pourquoi tu nous demandes de descendre? C'est mon problème. Pourquoi vous avez pris l'autre bus, madame? Hein? Je ne vous ai même pas appelé. Maintenant, vous venez cacher ma fille. C'est même quoi tout ça? Madame, descendez de mon bus. Je m'énerve vite. Ne m'amenez pas ici de la porte avec vous. Veux-tu le taper? On va voir. Montre-moi ton apôtre. Tu as ton permis. Montre-moi ce permis. Va porter le chariot. Tu viens me porter. Utilisez le chariot. Madame, descendez de mon bus. Vous voulez m'obliger à voyager avec vous? Ça va, vous pouvez dire à descendre. Partez. Allons-y, non. Tu veux qu'on dorme ici? Allons-y. Mon fils, prends-moi ça. Je dis quoi? Pardon, je ne veux même pas toucher les histoires. Allez, ça te va. C'est quel genre de puanteur, ça? C'est ta mère qui sent. C'est ta mère qui sent. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu es chanceux. Si ce n'était pas à cause de ma soeur, je resterais dans ce bus. Oh, Obi, dis allons-y. C'est quelque chose de pas plus. La fenêtre ouverte, plein air de chasser toutes les sangueux là. Non! Hey! Libérez-moi la route! Pardon, libérez-moi! Hi! Oh! Dégagez là-bas! Guettez devant moi! Pourquoi? Moi j'aime me porter ce genre de choses, hein? Oui! Oh, sincèrement, je n'ai jamais été si embarrassé dans ma vie. Tout va bien, monsieur. Nous avons tout oublié. Le plus important, c'est que tout aille pour le mieux, monsieur. Ça va. Absolument. Dès que vous entrerez en contact avec vos mères, faites-leur savoir que tout a été oublié. Afin que je puisse leur rendre visite, hein, comme le beau père que je suis. Le plus tôt sera le mieux. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Paul, concernant Melinda, la fille de mon défunt frère, il n'y a pas de problème. Nous l'avons déjà réglé. Tout est devenu une affaire double, tu sais. Il n'y a pas de problème, monsieur. Je viendrai vous voir plus tard par rapport à ce problème. Ça, c'est bien. Bien. Très bien. Je suis très content, très très content. Merci. Très content. Ma fille, suis-la. Ok, papa, je reviens. Intéressant. Très intéressant. Je savais qu'avec ce petit projet, ils réussiront.
Voilà mon objectif. Parce que je faisais tous mes efforts. Vous voyez, je suis un bon juge de caractère. Comme si tu ne connais pas cet homme. S'il se rend au village et voit où nos mamans vivent, il ne me laissera pas épouser sa fille. Et en ce qui te concerne, je ne crois pas qu'il te laissera épouser Melinda. Pourquoi fais-tu allusion à ça? Est-elle sa fille? N'a-t-elle pas étudié à l'étranger? Veux-tu me dire que il a dépensé de l'argent pour étudier la fille de son petit frère dans les écoles à l'étranger? Juste pour qu'elle finisse avec des mères? Telles que les nôtres, comme belle-mère? Non, 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 dis-moi, des gens qui ont l'air de vouloir mourir d'un moment à l'autre. Pourquoi ces femmes font-elles ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas de prendre soin d'elles? Quelle est cette image qu'elles veulent nous coller? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, Momo. Rappelle-toi ce qu'Adamazi a dit. Parce que nous sommes allés nous plaindre de nous. Cette connerie qu'elle a dit. Est-ce parce que je n'ai pas voulu lui manquer de respect? J'ai également eu la même pensée. Mais vu comment les choses évoluent en ce moment, j'ai envie de croire tout ce qu'elle a dit. Tu crois que nos mères sont des sorcières? Mais hors de tes sens ou quoi? Je serais hors de mes sens si je ne le pensais pas. Rappelle-toi qu'Adamazi a également dit que nos mères sont allées chez elle et ont menacé de la tuer. S'ils n'arrêtaient pas d'interférer dans la façon dont elles mettent leur vie. Et maintenant, elles ont peur parce que nous étions censés mourir pauvres. Gab, et tu crois que nos mères préfèrent qu'on reste dans une pauvreté abjecte durant le reste de nos vies? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant qu'on y pense, pourquoi pas? Ok, maintenant je te dis. Quelle raison Adamazi a-t-elle donné pour que nos mères ne nous permettent pas de casser ces vieilles maisons, ces maisons de nos pères, et de reconstruire des maisons dignes de ce nom sur cette partie? Tu vois, c'est le lieu où nos mères ont enterré la sorcellerie qui avait tué nos pères et nos jeunes frères. Ok, je te demande encore. Quelle raison nos mères nous ont également donné en nous demandant d'aller acheter du terrain ailleurs au lieu de construire sur le terrain de nos pères. En parlant même de ça, il n'y avait jamais eu de raison. Mmh. Attends, ça peut être vrai. Hein? Elles ne veulent pas qu'on peint la maison. Elles ne veulent pas qu'on rénove la maison. Ils ne veulent pas dépenser notre argent.
Ils ne veulent pas se rendre à l'hôpital. Ils continuent à demander les vaches. Le sang des vaches. Adamasi a dit qu'elle utilise le sang des vaches pour remplacer leur vie. Elles ne peuvent pas prendre nos vies, notre lumière, notre chance, aussi jeune que nous sommes. Pourquoi? Je ne sais pas. Cependant, j'ai refusé de les juger. Mais nous irons leur demander une dernière fois. Nous leur demanderons de se rendre à l'hôpital. Et nous leur dirons aussi que nous voulons construire sur le terrain de notre mère. Si elles refusent, nous leur dirons alors ce qu'on veut. Parce que je ne suis pas prête à mourir. Ah, moi non plus. Nous avons tellement souffert. Maintenant que nous avons de l'argent, nous ne pouvons pas mourir. Je ne suis pas prête à mourir. Laisse-moi prendre le temps. Oui, bonsoir. Baba est-il là? Baba est à la maison. Pouvons-nous le voir? Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il est à l'intérieur. Il viendra vous recevoir. Aïe!
Qu'est-ce qu'il dit? Papa veut savoir si vous avez une idée de ce qui vous arrive. Oui, papa m'a demandé, j'ai répondu oui. Nous ne savons pas ce qui se passe. Subitement, il va nous prendre comme si on était des sorcières. Baba, aide-nous. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Hey. Papa dit que vous devriez accepter la décision des dieux. Accepter quoi? Baba, je t'en supplie au nom de Dieu. Dieu, si on va, je peux te plonger dans le bras comme ça. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Si on vient tout, les bas des grands lèvres, on va nous brûler. Que tes larmes ne touchent pas le sol. Touche pas le sol. Non, s'il te plaît, maman. Je ne veux pas. Je ne veux plus pleurer. C'est bon. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. À fond, 1 kilo. 2 kilo. Malou, elle est pas ici. Qu'est-ce qu'il a que dit? Papa, pardon. 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 S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a que dit? Papa dit que nous sommes des cadavres ambulants. Les esprits qui ont donné de l'argent à vos fils et dont vous avez mangé des œufs qui représentaient leur projet de Dieu sont attirés par vos corps. Et puisqu'ils ne peuvent pas sortir pour manger le sacrifice qui devait les libérer, ils vont se nourrir de vos corps jusqu'à votre mort. Si tes larmes touchent le sol, tout le monde va mourir. Ça va.
Merci, papa. Il nous aidera à dire à la nièce d'être patiente jusqu'à ce qu'on ait les deux. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Tu vas te faire où ça? Tout ça va te faire. Et Charme, notre voiture, il nous aidera à soulever une chambre. Merci, papa. Papa, s'il te plaît, à propos de l'hôpital, pouvons-nous aller à l'hôpital pour traiter ces blessures? Ces blessures deviennent un fardeau.
Levez-vous et asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Vous le garderez sur vous jusqu'à ce que vos enfants fournissent la vache en sacrifice. Vous ne pourriez l'enlever qu'à ce moment. Je sais que c'est une aura. Je sais que c'est je connais l'homme. On va mourir dans un mois si on ne l'attache pas. Baba Dibou Ushigou. Baba Edjo, ne peux-tu rien faire à propos de ce fardeau que j'ai sur ma tête? N'y a-t-il rien que je puisse faire pour réduire l'odeur? Je peux couvrir la blessure avec un foulard. Mais l'odeur, rien ne peut l'empêcher. Baba, elle veut le savoir si tu ne peux pas trouver une solution pour empêcher que l'odeur ne sorte. C'est ici.
Hein? Sa voiture. Hein? Allons-y. Brigadeur. Hé! Hey! Oh, tu as fait de ce mal, qu'est-ce qu'il y a? C'est la maison de mon sens. Il y a quoi? Yonna, nous voulons voir ton patron. Mon regard, mon gars n'est pas là. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez aller dans une autre concession pour partir là-bas, s'il vous plaît? Qui a fait tu maintiens? Hein? Qui a fait tu maintiens? Si je te gifle, hein, tu verras un sourd de vie dedans, tu vas tomber au sol, tout. Et qu'est-ce que ça? Il y a différents jeux de trop. Prends de souvent. Désolé pour elle, hein. Nous voulons voir Gabriel. C'est que j'ai le pays, ça, non? Madame, c'est mon patron que tu appelles comme si c'est toi qui l'avais accouché. Aïe! C'est elle qui a accouché. C'est sa mère. Quand tu le plais, tu rejettes cela. C'est pas la portion de mon gars. C'est quoi ce genre d'incantation? Madame, vous puez en vrai. Vous sentez comme les Wessiens. Que Dieu te punisse! C'est ton gastro de paix. Quel élégant fils tu es. Écoute celui qui parle. S'il te plaît, ne t'occupe pas de lui. Il est pire que son frère. Si tu le voyais lorsque nous sommes seuls, je dis bien, tu es ensemble. Ce fait père. Ben. Attends, tu veux nous parler de lui? Mais j'ai grandi au village avec lui. Il sort de la bourse. Je vais te dire un secret. Lorsque nous étions à la chorale au village, ce pauvre chantait toujours avec la nourriture dans sa bouche. Doucement, ça va doucement. Gab, c'est quoi ton problème? Du coup, tu es ma femme pour moi, ah, c'est ça? Ah, c'est toi qui as commencé. Élégant fils, tu ferais mieux de parler à ton mari. Oh, bah, voici le dernier. Ah, Colin. Ok, sépare le blond du rouge, hein? Et le reste, tu le gardes dans ma chambre. Oui, monsieur. Et pourquoi tu enlèves les bouteilles de vin dans le piscine? Mon frère, depuis que j'ai dit à mes employés que le vin rouge est bon pour le cœur, mes bouteilles de vin commencent à s'envoler de partout. Tu crois que tu es la seule personne à aimer les bonnes choses? Apparemment, ton vigile a aussi besoin de vin rouge. Ouvre le portail avec son geste.
Ah. Hmm? 34A. Es-tu sûr? 34A. Hein? C'est A. As-tu vu ça? C'est la maison. C'est sa maison. Oh, le portail est ouvert. Oui, mais nous devons quand même frapper ainsi le gardien qui vient nous ouvrir. Nous ne pouvons pas entrer chez quelqu'un comme ça. Frapper la maison de mon fils. Non, entrons. Le gardien peut venir. Quitter des nœuds et nous voir repartir et fermer le portail. Entrons, Dieu merci, le portail est ouvert. Quoi? Nous n'aurons pas à subir quelqu'un pour nous ouvrir le portail. Attends-moi. Il n'y a personne là. Et où? Hey! Et où? Hey! Donc, bien? Mon fils Paul a ce genre de maison. Et est incapable de m'apporter un bœuf. Hein? Obidia! Sans problème. Régale les voitures. Hey! Régale les voitures. Un, deux. Hey! Obédia, prends ce moto. Arrête de m'appeler. Hey! Trois, quatre. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres avec lesquels ils sont sortis. Hey! Hey! Oh! Obédia. Hein? Hey! Où est mon parfum? C'est dedans. Quand ce parfum? Hey, Obidia. Obidia, ça va, non? Quand tu finis toute la bouteille? Obidia. Obidia, mets-moi. Excuse-moi, ma chère. Tu sais comment on sent? Nous ne sentons pas comme les humains normaux. Hein? Humain? Hey! On n'a pas d'autre chose. Obidia. On a fuck à moi. Ils n'ont pas de conscience. Hey! Les hommes ordinaires. Nous sommes là maintenant. On croit un anon? Aïe, on est là. Hey! Obidia, c'est comment? Laisse-moi mettre encore. Hey! Je mets un peu. Hein? Garde, demain. On aura besoin demain. Juste un peu. Hey, tu me sais! Hey! Pizza, t'as compris pas mon humeur. Ne leur donnons pas une mauvaise impression. Les voitures. Ha! Amale, tchaï. Achaloukou. Donnons-leur une bonne impression. Hein? Avant qu'ils ne nous fuient comme des cadavres. Hey! Obidia! Kayoto! Mais si tu es consciente. Papa! Ah! On va s'y priver. D'accord. Voilà. Seigneur, les folles! Qui est folle? Hey, mon gars, cache-toi! Hey, tu vas te dire le sais, tu vois que c'est de ma mère dont tu parles? Tu fou? Vite Ma? Seigneur! Qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Tu as vu la vie? Hey, Geno, il s'assoit. Hey! Hey! C'est vraiment très bien. Manoko! C'est toi qui appelles les gens. Aïe! Appelle encore les gens. Regarde comme il est. Appelle encore les gens. Hey, c'est la police. Kayoto. Ok, nien. Voilà. Ok. Hey. Sans où?
Kounia. Paul, est-ce que tu vois Manu? Ne fais pas attention, c'est celui qui n'est pas content de te voir. Agonia, ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu remplir ta maison. Je partirai bientôt. Maman, je t'ai jamais interdit les visites. Je parle de votre apparence, maman, tiens et toi. Maman, comment vous sentez-vous? Très bien. Nous allons bien. Que les injures ne viennent pas de l'anus mais de la bouche. Oh. Tu peux nous insulter. Dis-nous que nous sentons. Si on ne venait pas ici, tu devais avoir l'opportunité de nous parler. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Commencez quoi? Tu ne l'as pas écouté? Il ne lui fait aucune pitié, ça va. Laisse la fille de Dieu tranquille, oh. Mais pourquoi tu ne nous apprêtes pas un bonbon comme tu l'as suggéré? Ok, maman. C'est quoi ton bon petit nom? Melinda, maman. Elle s'appelle Melinda. Paul, où as-tu pris celle-ci? Pourquoi n'as-tu pas cherché une bonne fille comme Betty? Pas celle-ci qui soulève son nez au ciel comme le bon. L'oiseau de la mort cherchant une odeur humaine. Qui est son père? Manoko. C'est ma cousine. C'est une très gentille fille. Fais d'un esclave un roi, ne fais pas de l'esclave le roi. Maman, si tu es prête, allons chez Mastro. Obidien-moi, allons passer la nuit ici. Je ne comprends pas. Est-ce que tu ne comprends pas? Le fait de passer la nuit dans la maison de ton frère, est-ce un crime? Oh, avez-vous des problèmes? Maman, comment cela est-ce possible? Tout ça, tu n'as pas vu ensemble? Je me demande. Ne t'inquiète pas. Viens donc passer la nuit chez toi. Vous, alors Manoko est en retard? Van. Pourquoi parler de des choses comme ça? Non, tu sais quoi? Demain, nous allons manger tout ce que tu vas prendre. Ok, ma. C'est noté. Vos chambres sont près de mer. Que dit-elle? Nous dormirons toutes les deux dans la même chambre. Mais maman, on a assez de chambres ici. Mon fils, on connaît. Mais tu sais, toutes les femmes aiment rester ensemble. Nous aimons rester ensemble. Bien, allons. Mais attendez, est-ce pour cette raison que vous ne nous embrassez pas? Voyez-vous. Caio Dubiano. Oui, mais. Au revoir. Mais, et vous? Ma fille. Merci, maman.
Vous avez vu, on sent bien avec vous. Hein, Gaillot? Mon chéri, tu tiens de tout voir. Hein? Sois tranquille. Hein? Oh. Okay. Tu m'embrasses pas? Bien. Tu vas bien. Oh? Allez, nous allons nous reposer, hein? Paul, qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien? Mon fils. Fais attention. Mon fils. Oui. Tu vas bien? Fais attention, maman. Hein? Ça veut dire quoi? Ça, c'est terrible. Je ne peux plus rester ici. Je ne peux plus. Je suis fatigué. Ça va. Écoute, ma chérie. Tu n'as pas besoin de te déranger par rapport à ce problème. Je vais discuter avec Manu et maman. Je leur dirai qu'elles sont maintenant à l'école. Elles doivent rencontrer un docteur. Tu es contente maintenant? Oui, je le suis. Merci beaucoup. Parce que j'aimerais qu'elles soient en meilleure forme. Jour du mariage traditionnel. Ah, les femmes. Vous êtes toutes les mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne veux pas que mes belles-mères soient sur leur 31 ce jour? Hein? Pendant que j'y pense, après qu'elles aient vu le docteur et qu'elles se soient reposées, je les amènerai faire des courses pour prendre tout ce qu'elles voudront pour la cérémonie. Oh mon Dieu, je suis impatiente. Je ne peux pas attendre. J'espère que ça ne sera pas pour finir mon argent. Ah, ton argent? Oui, non. Ah. J'ai cru que tu as dit que l'argent de mon père est moi. Oui. Comparé à tout l'argent que tu as. Oui. Pas de problème. Prends soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Je te l'ai promis. Merci, mon petit chéri. Combien de guerre as-tu? Dieu! Pourquoi personne ne veut m'aider? Ai-je l'air stupide devant toi? J'ai pas dit ça à lui. Je veux que tu baisses le ton de ta voix. Tu es en train de crier. Personne ne t'appelle menteuse. Moi également, j'ai ressenti l'odeur. Ceci n'était pas juste une odeur. C'était de la puanteur. La puanteur de poulet mort. Ou de tout ce que tu peux imaginer. Ezege, c'était ma mère dont tu es en train de parler. Sérieusement, je ne voulais pas manquer de respect. J'ai juste essayé de donner mon point de vue. Parce que tout le monde dans cette chambre fait comme si j'avais perdu toutes les sens. Mérinta, ici c'est l'Afrique. Nous sommes des Africains et des Ibos. Il y a des choses que nous reconnaissons mais dont nous n'avons pas le droit d'en parler. L'odeur ou la puanteur, peu importe comment tu appelles ça, pourrait probablement venir de ce qu'elles nous ont apporté du village. C'est pas assez mauvais. Est-ce pour cette raison que vous avez plus de pain? Je suis allée leur servir les fruits dans le champ. Elle finissait toute une bouteille de parfum trop bizarre pour atténuer l'odeur de leur corps. Chérie, as-tu vu cette blessure que chacune a sur son pied? Assez de ces absurdités! Je n'ai pas envie de me quereller avec qui que ce soit. J'ai pas envie de me quereller avec toi. Si tu connaissais assez bien ces gens, ils vont juste se lever demain. Tu sens qu'elles rentrent au village. Elles ne sont pas venues pour rester avec nous. Je veux que toutes ces choses restent ici.
Bonjour. Bonjour. Écoute, je suis fatiguée de tout cela. Laisse-moi sortir. Peux-tu au moins t'arrêter? Mais c'est comment? Veux-tu déjà partir? Je sais ce que j'ai vu. Je n'hallucinais pas. Mais personne ne veut me croire. Vous vous comportez comme si j'ai perdu la raison. Melinda, personne ne le dit. C'est juste que... Attends, un serpent? Seigneur, ça n'arrive que dans les films en Angleterre. Tu vois, je suis confuse parce que j'ai vu trop de films en Angleterre. Regarde, je m'en vais d'ici. Mais ne vous inquiétez pas, je lui parlerai, d'accord? C'est juste qu'elle n'a pas l'habitude de rester à la maison. C'est quoi tout ça? Ça signifie quoi à la fin? Tu demandes à qui? Hein? Regarde-moi celui-ci. Qui connaît quelle partie de Londres tu es parti la ramasser? C'est pas de la même langue que tu viens. Maman, je t'en prie, ne parle pas comme ça. Comment veux-tu que je parle? Comment? Hein, Paul? Kayoto. Regarde-toi. Avant que les gens ne viennent, tu faisais vite des promesses. Maintenant, tu es confortable. Simplement, porter un peu. Même si c'est celui qui a été amputé d'un pied avec un œil grand, n'allons pas ressusciter. Hein? Tu refuses. Et maintenant, tu nous demandes d'écouter. Tu me fais, je te fais. Tu ne se fâcheras pas. Donne-nous notre vœu et nous partirons à l'hôpital. Affaire classée. Manoukou, toutes les deux, vous allez nous dire que vous avez traversé tout le village jusqu'à Lagos, juste pour des bœufs. Nous ne sommes pas venus uniquement pour les bœufs. Nous sommes également là pour que vous... Laisse-moi ces enfants! J'ai pas besoin d'aller au tortia pour apprendre certains mots pour utiliser avec eux. Oui, nous sommes venus pour le peu. Et si vous ne nous donnez pas ce dont on a besoin, nous exposerons notre sexe au monde entier pour qu'ils voient combien il est sale. Oui! Et ensuite, nous vous suivrons. Partout où vous irez, au bureau, à la banque et même dans vos nouvelles belles familles. Et nous leur montrerons combien vous dépensez sur vos mères. Donc maman, c'est pourquoi vous êtes venue ici à Lagos? Pour détruire notre réputation? C'est quoi cette punition à la fin? Est-ce que tu mesures tes paroles? Est-ce que tu te rends compte de la conséquence que cela peut avoir dans nos affaires ou alors dans toute la société? Allô, cet harcèlement ne nous concerne pas. Vous ne pouvez pas nous prendre à peine. Regarde-moi. J'ai le sang Igbo qui coule dans mes veines. J'ai les os Igbo.
et j'ai grandi à Ibadan. J'étais là avant votre naissance. Alors, quel que soit comment vous la voulez, cette danse, je suis prête pour vous. Ne sommes-nous pas vos mères? Comment pouvons-nous vous nuire? C'est la question que vous devriez vous poser depuis le début. Le plus tôt sera le mieux, parce que nous ne partons pas. Paul, suis-moi. Nous revenons. Suis-moi. Obizia. Obizia, qu'est-ce que tu fais comme ça, non? Qui veut dire? Ça ce n'est pas ce qu'on s'est dit. On s'est dit que nous venons à Lagos pour supplier ses enfants. Si possible, nous mettre à genoux. Ah! Attends, Lagos, à genoux pour qui? Ceux-ci. Ceux-ci qui ont déjà vendu leurs oreilles pour Ludwig le vendeur. Ça, c'est la meilleure stratégie pour eux. Écoute-moi, j'ai grandi dans des mauvais quartiers à Ebado. Et là-bas, j'ai appris que quand tu es dos au mur, tu ne supplies pas, tu démolis et tu détruis. Oui! Tu penses qu'ils ne peuvent pas humer cette odeur qui sort de nous? C'est seulement qu'ils ne veulent pas parler, de peur de nous insulter. Hein? Alors, le plus tôt sera le mieux pour tout le monde. Démolir et détruire. Hein? Obidia, es-tu sûr qu'ils ne sont pas allés appeler la police? Non, non. Ils n'oseront pas. Regarde, ils ne peuvent pas le faire. S'ils le font, je vais les exposer dans tout ce quartier. Ils ne le feront pas. Si ce n'était que toi, c'est qu'ils l'ont essayé, hein? Mais pas avec moi aux alentours. Bah non, ils ne le feront pas. Obidia, si ça ne va pas, nous pouvons leur dire la vérité sur les deux. C'est qui résoudrait ce problème, hein? Mais tu sais aussi que nous ne pouvons pas. Hey! Ne pleure pas, oh! Baba a dit de ne pas pleurer. Hey, oublie, tiens, doucement. Cette chose me mord. Ouais. Bon, oublie. Bon, tu fuis. Hey! Qu'en est-il de moi qui porte toute la famille? Tu dois couper ma tête? Bref, laisse-moi aller à l'intérieur, laver quelques heures. Est-elle l'une des femmes dont vous m'avez parlé? Oui, effectivement. Ça, c'est ma mère. Et quant à l'autre, c'est ma mère. Elle s'est sûrement cachée. Bien, Gabriel. Paul. Qu'est-ce qui ne va pas? Et qui est cet homme? Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Que se passe-t-il ici? Est-ce la deuxième femme dont vous m'avez parlé? Si tu n'arrêtes pas de me pointer ce court-doigt, je ferai en sorte qu'il finisse dans ma bouche. Homme fou. Oh. Le cas est vraiment sérieux. Je pense qu'elle doit venir avec moi sur le champ. Ah, hé! Obidian, ne te l'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que ces enfants iront appeler la police pour nous? Es-tu sûr que ce sont nos enfants? Es-tu sûr que ceux-ci sont encore ce que nous avons porté pendant 9 mois? Je pense que le mien a été changé à l'hôpital. Le mien aussi. Gabriel, donc ton frère Paul et toi, vous êtes allés appeler la police. Hein? Est-ce de cette manière que vous pensez que vous pouvez résoudre ce problème? Ils t'ont amené pour venir nous arrêter. Mbano, viens nous arrêter. J'espère que tu es venu avec tes menottes. Vous arrêtez? Pour quelle raison? Qui a dit que je suis policier? Eh bon, tu ne l'es pas. Maman, ce n'est pas un policier, c'est notre docteur. Puisque vous ne voulez pas aller à l'hôpital, on l'a amené nous-mêmes pour des soins.
Je pense que j'ai besoin de mon sac. Il faut que je les injecte les antitétaniques. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous partez chez le docteur, non? Oh, ça, c'est pas important. L'important, c'est qu'il soit là, maintenant. Hein? Et Yoko Ansoro, je n'aime pas ça. Oh. Je n'aime pas ça. Hein? Obidia. Hein? Hey! J'arrive, je vais chercher quelque chose. S'il te plaît, dépêche-toi. Je n'aime pas ça. Oh. Je n'aime pas ça. Oh. Je n'aime pas la façon dont vous traitez les gens. Oh. Alors, qui passe en premier? Soit quoi? Il veut dire qui sera la première à prendre l'injection. Quelle injection? Hein? Bien sûr, l'injection est prête. Mmh. C'est quoi cette question en réponse là? Obidia! Manuko, Manuko, s'il te plaît, il faut arrêter ça. Ok? Vous allez prendre cette injection. Cela signifie également que vous deux, vous restez ici. Hein? Oui. Arrête ton fils. Je pense qu'il veut commettre un souci. Parce que... comme vous me voyez comme ça, je suis folle. Je ne suis plus à l'état de comprendre quoi que ce soit. Toi, t'arrêtes, vous prêtez. Allez, venez, venez, venez. Commencez. Allez, venez, s'il vous plaît. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Voyez. Non, viens, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Viens, non. Viens, nous faire l'injection. C'est moi.
Ewo. Ewo Segodu. Dia Seregana Se. Hey. Ces pailles sont jolies. C'est toi ou une autre personne? Où vas-tu si tôt? Merci, oh ma soeur. Je l'ai acheté avec l'argent que ton fils m'a donné comme leader de notre groupe. Pour la préparation de leur mariage. Tu sais que notre groupe de danse sera là-bas pour prester. Hey, c'est un bon choix que tu as fait, oh. C'est très beau. Obidia, et pourquoi vous n'êtes pas encore habillée? Habillée pourquoi? Pour la cérémonie de mariage, non? Equi Bomba. Et ma Kazukwa, où vas-tu habiller comme le masque du Djélé? Obidia, elle dit qu'elle s'en va assister à un mariage traditionnel. Qui se marie? Vous de là, vous m'embrouillez. N'êtes-vous pas les mères de Gabriel et Paul? Alors? Êtes-vous en train de me dire que vous n'êtes pas au courant qui se marie aujourd'hui? À ces filles qui reviennent des pays des Blancs. Hey! Que qui épouse qui? Yeah. C'est bon. Je n'ai rien dit, oh. Ma fille, attends. J'arrive. Je reviens. Écoute, Zigo. Qu'il se mariait. Elle disait que qui se marie? Hein? Bidia. Que qui fait quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pleurer? Ouais. Papa dit, mais je ne veux pas pleurer. Je ne peux pas pleurer. Ne pleure pas. Ne pleure pas encore. C'est pourquoi? Il fait quoi? Bidia. Bidia. Qui se marie? Thank you.
maison. Hey! Hein? Ah! Soyez Fabrice Ogou. Hey! Que faites-vous ici? Qui vous a invité ici? Soyez Ogou. Regarde celui qui parle. Mauvaise allée. Donc vous avez décidé de nous faire honte en public. Tu es celui qui se fait honte en public. Tala. Et sommes les bouts. Gabriel. Paul. Donc c'est vrai. Vous vous engagez à vous marier sans nous dire. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces femmes? Tout sort cette odeur si horrible. Non, non, je ne comprends pas. Tout va s'arranger. Vous n'allez rien arranger. Vous n'allez rien arranger. Nos fils se marient et nous ne le savons pas. Oh. Et vous fous? Mais vous avez dit qu'elles ont voyagé pour l'étranger. Oh. Que se passe-t-il maintenant? Oui, nous sommes à l'étranger, non? Tu peux voir notre étranger. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Tchaloko. Ne pleure pas. Gabriel. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quel est mon crime? Est-ce que c'est comme ça que tu veux me remercier? Est-ce que c'est comme ça que tu me remercies pour toutes mes souffrances depuis que ton père est mort? N'essaye même pas de parler de ça. N'ouvre pas cette page. Pourquoi dis-tu à mon père? Je m'adresse à toi ainsi qu'à toi. Je ne vous permets pas. Qu'avez-vous fait pour moi? Je vous le demande. Qu'avez-vous fait pour nous? Mais tu m'apportes le déshonneur, la honte et l'embarras. Quoi? Vous êtes contente? Vous avez tout arrêté. Maintenant, vous êtes contente? Êtes-vous contente? Êtes-vous contente? Satisfaite maintenant? C'est sur nous que tu cries comme ça. Allez, crier dehors. Pourquoi venez-vous détruire mes rêves? Pourquoi? Nous devons crier car vous faites de la sorcellerie. Oui, vous êtes des sorcières. Pensez-vous qu'on ne le sait pas? Comment est mort notre père? Expliquez comment? Comment? Maintenant, vous voulez détruire nos vies, n'est-ce pas? Vous voulez nous influencer? Ça, non? Maintenant, laissez que je vous dise. Ça, c'est la dernière fois que vous nous verrez. Et quand on aura un peu à faire à vous, vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que celle-ci fait? Dis-donc, arrête le cinéma et lève-toi. Non, je pense que tu dois arrêter le même. Parce que ce n'est pas ce qu'on parle de toi. Tchaloko! Je veux pas pleurer. Maman a dit de ne pas pleurer. C'est de ne pas pleurer, ne pas pleurer. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Vaut mieux que tu qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est pas de l'être absurde. C'est pas ça la part. Atchaloko. On m'a dit que ceci est le dernier. Après ce jour, vous aurez brisé le portail entre la vie et la mort. Vos paroles seront des ordres et vos larmes du sang. Alors mangez. Mangez et humez pour qu'aucun homme ait plus de pouvoir maléfique ne vous atteigne. Humez. Humez en mangeant. Humez. Encore les asticots. Ouais. Bidia, mange. Bidia, mange aussi. La fin de toute chose. Souris.
Ils entendront avec les oreilles. Nous ne serons plus pauvres. À partir de maintenant. Ko fi awon aisan kekeke kan da yin lo la o. Ki se lo titi e ti gbo ki se ko lo titi o leyin odun meta irun male o ka ku lara yin odun meta pin baba chante le chant de la victoire. Le rituel du peuple sera complété par vos fils sans que vous ne leur donniez de raison. Si vous leur donnez une raison, la mort s'abattra sur votre famille. Certaines maladies vont vous suivre. Mais elles passeront après la période d'accomplissement du rituel du bœuf. Tous les 6 mois, vos enfants devront vous apporter chacune un bœuf. Ceci doit être fait pendant 3 ans. S'il te plaît, demande à Baba quel genre de bœuf. Baba, on y va, ils sont où, bon. Oh, wow, ils sont où, ils sont où. Non, bah, ou ça, ou les vies qui est tiré en yon, ou les vies d'un l'or. T'as vu qu'on fait voir la pâte à mon l'or, t'as vu guiri, ni qui est beau, de demander de la rain. Ah, je m'en fous pas, dieu, non, les yon de metta, et on m'a les nains, y'a qu'à vous. Mais toi, ou, bon, dans ces nains, ou, voyez, bien, comme un nain, n'a pas, à dire qui a ma nain, ou, y'a, il est parti. Bodo se parti o han ok leyin owo ti awon omo yin ba kokko fun yin owo ti an ba kokko fun yin ni bere bayi e tun bodo ko wu mi lo won mo o ki be yin odun meta odun meta elle peut parler derrière des oreilles ou sur toute autre partie du corps. Épilepsie, convulsion, elles décideront. Vous ne ferez aucune célébration dans vos maisons. Vous n'êtes donc plus autorisé à dépenser votre fortune. En dehors du premier argent qui vous sera donné par vos enfants. Ça, arrête. Juste 3 ans. Bidja. Ah, on a le cœur à ce point-là. Qu'est-ce que tu fais? Gbọdọ sunkun o ewo ni o to mi oju yin to ba ikan le pere akufa ni o ewo ni o gbọdọ sunkun o iwo mo ba wi iwo lo ma sunkun bi egbere to mo je kun lo gbogbo aye rerin e kun lo ma sun ti e ma sunkun o ne pleure pas o c'est compris c'est compris ne pleure pas o si vous pleurez pere. Si cela arrive, c'est des ennuis que vous aurez créés comme ça. Tu peux parler à ma soeur à propos des pleurs. Elle peut pleurer comme un soufou. Moi, pourquoi vais-je encore pleurer? Ah! Mais Baba, comment ne pas pleurer? Mais si quelqu'un de la famille meurt, tu ne pourras pas pleurer. C'est ribé, c'est guay. Comme toi, l'autre jour, qui chôme la sang.
ejeni. To ba si le kale pere bayi. Be yin kan ba ku loni, elomi o ku lola, lotun la omi o ku. Jomeri omi o ku be gbogbo e bi o se tan pata. O ma le o. E do na e ti e ma ma ko te wa ni isin. Abe yin o mo pe yin gangan ti do sabe se wa lo. Ah, e ti bo samule, o sale yin mejeji. Baba dit que nous ne sommes plus des gens ordinaires, mais plutôt les morts vivants. Les larmes de mes yeux sont maintenant du sang. Et si elles touchent le sol, les gens mourront chaque jour. Chaque jour, les gens mourront dans nos familles. L'un après l'autre. Ne pleure pas, oh. Nti nwa wa ikase re le fun nje mo. E wa wo ngba ti awon run male ti won ba fi aisan tai lo re. E gbodo gbere le iwosan o. Ai won e ma gbere le iwosan. Koda e ma gbere le onsegun. Abi kleyin gangan o le toju e ya fi le be. Onyeni. Pendant 3 ans, nous n'aurions rien à voir avec les hôpitaux. Nous ne devons plus nous rendre à l'hôpital. Alors, rappelle-toi au cas où je le fais. Eh bah tu vois qu'il a beaucoup qu'il a dit mon fruit. Eh pas d'agbadou. Ah! Nananananananana. Eh na wobi elada. Aussi bien moi tu n'es pas kiki. Ah! On nous met à quoi? Mais si beaucoup si bien dit que maintenant on va manquer une coup. Nous mieux nous. Abikele tu as fini ma bagnole sur. Que maintenant on va pas y sortir on ne peut. Ma petite ma si. Allô? Allô, allô, la La fin qui a de l'espoir ne tue pas. Je veux pleurer maintenant, je veux pleurer. Si tu veux pleurer, mets-toi hors d'ici et continue de pleurer. Tu m'entends? Je veux pleurer. Fabien, pleure. Je veux pleurer. Seigneur, merci, c'était juste un rêve. Hé hey! Ça va, non, arrête de crier. Hé hey! Maman Nougou, qu'est-ce qui se passe? Rien ne s'est passé. Allez dehors, jouer. Maman, pourquoi est-ce que vous criez? Oh, laisse-moi y faire des dents. Maman, nous avons faim, non. Quand vos frères vont rentrer, patientez, oh. Allez, allons à l'intérieur. Hé hey! Hé hey! Et moi, Eline. Obisien. La faim. La faim sait comment nous traiter. La faim sait comment traiter nos vies, notre semaine, nos rêves. Obisien, ça ce n'est pas une plaisanterie. C'était si réel. Ah. Hey. Je continue à croire que c'est la faim. Sans blague. Ma sœur, peux-tu croire que je rêvais aussi? Oh!
On ne peut pas continuer comme ça, non. Regardez nos enfants chaque matin, chaque soir. Hein? Mon rêve m'a montré qu'il y a une solution. Nous devons aller à Djeboumbo. Vous faites quoi? Dans mon rêve, on a tout perdu. Et nous sommes allés à Djeboumbo. Baba, il faut Agwedi, le frère de ma mère. Et il a fait un rituel pour nous. La chair est arrivée lorsque Paul et Gabriel ont rencontré un homme blanc avec une longue voiture blanche. Jésus! Jésus! Ça va, non, ça? Pourquoi tu cries? Obisa! Regarde, ce sont tes cris qui m'ont réveillé et je n'ai pas fini mon rêve. Obisa! Et quoi, toi, Jésus? Je m'en vais avec Dieu, pourquoi? Sang de Jésus! Je n'irai nulle part avec toi. Obisa, tes parents ont échoué. Obidia, j'ai fait le même rêve. Dieu merci, le mien est fini. Si tu nous avais vu tous les deux à la fin de ce rêve, Obidia, tu aurais préféré que nous mourions dans la pauvreté que d'avoir la richesse de tout le monde entier. Hey! Qu'est-ce qu'il y a, non? Obidia. Qu'est-ce que tu as vu? Peu importe ce que tu as vu, ne dois pas t'effrayer. Baba Ifagbeni, il sera là pour nous. Il nous aidera. Baba Ifagi? Ifangwe, le frère de ma mère. Obidia, je t'ai vu. Avec plein d'asticots sur la tête. Asticots, serpents, tout ça. Et quant à toi, que t'est-il arrivé? Rien ne m'est arrivé. Yeah. Je m'étais couverte dans le sang de Jésus. Iyanako. Hey! Rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Amen. Je pense que Dieu nous demande d'avoir la patience. Donc, l'argent est important, mais pas plus important que notre famille. Tu as raison. Mais je pensais... Laisse-moi parler d'abord, non? J'ai dit quelque chose. On voit pas. Comme je le disais, je pensais que nous pourrions peut-être éviter les choses que nous avons fait de mauvais dans les rêves et préparer nos fils au pied afin de nous rendre à Itébou. Hey, Obidia. Donc, tu penses à te rendre à Djebo après ce que Dieu nous a révélé? La révélation avait pour but de nous guider et de nous aider à éviter et à surmonter tous les obstacles. Dieu connaît les siens. Obidia, est-ce que c'est quand Dieu va descendre que tu sauras que la mort ne se balade pas avec les sirènes? Hein? Est-ce que... Obidia? Hey! C'est bon, Paul et Gabriel. Monsieur. Monsieur, ne sont-elles pas vos pères? Oui, elles sont là. Ah, mais comment elles font? Peut-être la taille de la voiture qui les fait perdre. Ah oui, vraiment? Oui. Oh. S'il vous plaît, allons à l'intérieur. D'accord. Bonjour, mesdames. Soyez les bienvenus. Merci.
Y a-t-il un problème? Non, sans problème, sans problème. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Manuko, nous avons rencontré M. Rufos quand nous rentrions du champ. Hein? Pourquoi me regardes-tu comme ça, Achaluko? Comme si j'étais folle. Écoute, cette longue histoire, avant qu'elle ne finisse, il te dira que nos maris doivent de l'argent aux gens. Ou lui-même. Non, écoute-moi, il n'y a pas d'argent dans cette maison. Même pas un radis. Rien, nous n'avons pas. Bidia. Alors, arrête cela. Laisse le monsieur finir, non? Après, tu pourras le questionner. Hein? Mon frère, s'il te plaît. Es-tu là pour créer des problèmes ou pour nous tuer? Bien sûr que non. C'est pas du tout mon intention. Continue, s'il vous plaît. Je suis de retour dans le pays depuis des années maintenant. Et j'ai appris les pertes de vos maris. Depuis tout ce temps, j'étais à votre recherche un peu partout. Chercher. Nous chercher. Pourquoi? Comme des criminels? Non, madame. En tant que bénéficiaire de leur fortune. Les biens. Oui. Kayoto, qu'est-ce qu'il appelle bien? Bien veut dire propriété, les maisons, les sociétés. Tout ce qui nous appartient. La compagnie que j'ai achetée en leur nom a été reconnue à la bourse comme la compagnie la plus expansive du pays. Société. Oui. Achaluko Moigné. Obidia. Et elle se fait appeler White Mouse Gold PLC. Obidia. Kayoto. Bidia, Chalou. Hey! Chalou, comment il est mal? Hey! C'est un petit peu obligé. Tu vas obligé. C'est ce que je suis obligé. Hein? Achalou. Hein?
ce train nous appartient maintenant. Hey! Tu as tout compris. C'est un cadeau du dernier PDG de cette compagnie, White Mouse Gold. Il y a d'autres voitures. Hey! Ah, mon mari, merci beaucoup. Je vous en prie. Mon Dieu va te bénir abondamment. Merci. Hey! Hey! Obidia. Obidia. Hein? Excusez-moi, je vais rentrer dans ma chambre d'hôtel ce soir. Mais demain matin, le chauffeur va me déposer à l'aéroport et vous ramener cette voiture. Obidia. Accord, Sifana. Obemana. Propriétaire d'une voiture. Obemana. Excusez-moi, je vais retourner à l'hôtel, je suis un peu fatigué. Pas non, non. Allons-y. Qu'on vous donne d'abord quelque chose à manger. Peu importe la quantité. Ça, c'est quoi, non? Toi-même, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Toi-même, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi fais-tu ce que je fais, non? C'est pas toi qui es en train de battre sur la voiture. Écoute, sérieusement, j'aime cette fille. Quoi? Mais quand je t'ai demandé de m'aider à pousser la voiture, tu as refusé? Mais j'ai quand même poussé ça, non? Après pas mal de plaintes, hein? Bien. Ah. De toutes les façons, elle t'aime bien aussi, elle t'aime bien. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit, non? S'il te plaît, laisse-moi, je sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Lâche-moi, tu vas m'étouffer, c'est quoi ton problème? Je vais rien te dire. Tu ne veux rien me dire. Écoute, demain, toi et moi, on ira chez elle. Regarde sa bouche, toi et qui? Toi et moi, toi et moi, toi et moi, même si c'est pas force. Jamais de la vie. Toi et moi, on ira chez elle. Je ne pars nulle part. Tu vois, moi, je ne pars pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu n'es pas content parce que c'est moi qui l'intéresse. Hein? C'est pour ça que je te dis toujours qu'il faut être un vrai gars. Hein? Les filles aiment les gars qui sont vaillants. Hein? Si tu ne fais rien, ils ne peuvent pas te voir. Hein? Tu dois être un gars. Tu dois être un homme. Tout ce que tu fais, ce ne sont que des chiens. Des démons. Des démons. Des démons. Regarde-toi. Sois un gars pour les filles. Elle est une sorcière. Oh. Mais je n'ai pas peur d'elle. Adama, c'est une sorcière. Ma métier, ingetine, tia. Viens, Obidia. Alors, je suis pour toi. Mais ne va pas le dire ailleurs. Oh. Pourquoi? Et si je le fais, que va-t-il se passer? Attends, Logo, tu ne me connais pas. Oh. Tu ne me connais pas. Si je me fâche, je vais mettre mon ciel. Si elle se fâche, je vais encore mettre mon ciel. Il me tient. Oh. Fille, tiens-le à quoi? À quoi, Gogo? Lili, oui, watch-o. Obédia, laisse Adam Aizé tranquille. Laisse Dieu la juger. Après l'avoir battue, mais Tikindien. Et après que Dieu la juge, pire comme et pense qu'elle a bien fait. Au moins, n'y a-t-il n'y a-t-il la mana kourina ya umba umba. Aïe, au moins, n'y a-t-il n'y a-t-il la mana kourina ya umba umba. Titano, aïe, magie, chef, va m'apporter à manger. Afrindien n'a coulé la coulée là-bas. Grâce, bonne arrivée. Grâce. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu appris que Paul et Gabriel sont allés à l'Ego Savannah? J'ai appris. Grâce. Quoi? As-tu vu la grosse limousine qu'on a apportée de Londres? Bien sûr. Grâce à où? J'espère que tu n'es pas devenu fou. Qu'est-ce qu'il y a, grâce à vous, tu veux te rappeler aujourd'hui? Hein? Désolé, je me disais que tu ne le savais pas. Bien sûr que je sais. J'ai vu comme tous les chômeurs de cette vie. La vraie. Azuka. Grâce à. Azuka, qu'est-ce que tu es arrivé de... Rien ou? Rien. Ok.
Je ne vois rien. Hey, c'est où? Je suis allé dans ta chambre la nettoyer. J'ai vu ma mite. Et puis, l'eau qui était à l'intérieur sentait. Et la chambre sentait aussi. J'ai maintenant porté la mamite. Désolé. J'ai versé l'eau qui était à l'intérieur. Tu as versé cette eau? Où? Derrière la maison? Oui, la mamite. Tu as gardé la mamite? Où est la mamite? Non? Grande soeur, attends. Attends, quoi? C'est ce que j'essaie de te dire quand tu es arrivé. Quand je suis allé avec la mamie là derrière, je la tenais de manière délicate parce que nous la sentais vraiment. Qu'est-ce que tu as fait? Pas erreur. Grande soeur, pas erreur. Quoi? Je t'écoute. Désolé, ça s'est tombé, ça s'est cassé. Quand ma mamie s'est cassée? Ma mamie s'est cassée? Désolé. Souka, tu m'as tué!